Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Martoc225 qui vous parle. Aujourd'hui, on va continuer le défi qu'on s'était lancé avec Dumpty Dan de gagner la Coupe Stanley en 3 ans. On avait pris au hasard les Sabres de Buffalo, mais on a tous refait l'équipe. Il y avait pas vraiment aucun joueur des Sabres. Ceux qui avaient suivi la première vidéo, on avait fini ça par les agents libres. Il nous manquait des joueurs. Ça allait pas bien, là, l'entre-saison. On était fatigués. On avait fini ça vite. Donc, j'étais allé hors vidéo et j'ai signé 2 joueurs autonomes. Des petits joueurs, je vais aller vous les montrer. Parce que là, il nous manquait des joueurs pour nos lignes. Puis, c'est pas. Je voulais être sûr. Qui que j'avais signé? J'ai signé Lekkonen. Je pense que c'est 1 an. 1 an, 1 million. Puis j'ai signé aussi à défense. Lui, c'est le Killington. Je sais pas comment ça se prononce, là. Mais j'ai signé lui aussi. Je sais pas combien de temps. 2 ans, 1,1 million. Fait que ça, c'est un bon contrat. Fait que ça, c'est ça. Il nous manquait un défenseur pour compléter. Pourquoi que j'avais un plus 5, ça? Ok. Fait que j'ai fait les lignes à peu près comme je pensais. Et ils sont d'un plus 5 sur la première ligne. C'est complètement ridicule. On a 2 francs-tireurs. J'ai jamais vu ça, un plus 5 avec 2 francs-tireurs. Mais ça a l'air que ça nous donne un plus 5. Ça nous donne un moins 1. J'aime moins ça par contre. Moins 3 de même, pas mieux. Non. Ok. Ok. On pourrait essayer de régler ce problème-là par le biais des échanges. Qu'est-ce qui arrive? Lui, il fit quand même bien sa troisième ligne. Agitateur. Jeff Carter, il fit moyen. C'est David Perron. C'est David Perron qui fitterait pas là, sur cette ligne-là. Fait que là, on aurait un agitateur, un franc-tireur, puis un attaquant polyvalent. Fait qu'il faudrait checker. C'est un allié. Attendez, juste m'assurer, c'est un allié gauche, ça nous prend. Ouais, un allié gauche, idéalement. On va regarder vite, vite, quelles équipes sont intéressées à Perron. Qui a pas une grosse valeur de toute façon. Boston est intéressé. On va aller voir ce qu'ils ont dans les alliés gauche. Person. 6 moins bonne ligne d'attaque. Il reste 3 ans son contrat. Sauf que ça serait pas une très bonne échange. Calgary sont intéressés. Connor Sherry, ça serait intéressant. Il vaut pas mal plus cher. Il est fabricant de jeu. Il reste 2 ans à son contrat. Il fait-tu? Il dit-tu s'il fait? Ligne d'attaque numéro 1. Toutes les lignes de supériorité numérique. Il dit qu'il fait. Il devrait pas fitter sur la ligne. Bobrovsky, il fait-tu? Non, il fait pas non plus. On va garder Connor Sherry en tête parce que c'est un très bon contrat. On va aller voir. Caroline. Lui ici, attaquant top 6. 6 meilleures lignes d'attaque. Sauf que c'est encore un attaquant polyvalent. J'aime moins ça. Chicago. Chris Kreider à 6,5. Vous pouvez le garder.
Oh boy, ils ont rien, les autres, c'est incroyable. Dallas. Ouais. Trop cher. Détroit. Trop cher. Ça vaut pas la peine. Quoique. Il est pas si cher que ça. On va aller voir s'il fit. Franc-tireur. Ligne d'attaque numéro 2. Bon. Ok. Oh, on n'a pas checké Edmonton. On a checké, non. 81. Mikhaïev. Sauf qu'il est juste 81. Landeskog, non. Lui, il est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Lui, sa valeur est trop chère. Ah, salut le fan fini, j'avais pas vu que t'étais là. Prends trois agitateurs. Ouais, je le sais, trois agitateurs, sauf que là, faudrait faire un paquet de charges pour notre quatrième ligne, elle va bien. On sait pas si elle va bien, j'ai juste simulé la pré-saison pour voir que mes agents libres y acceptent ou pas. Là, c'est vraiment un gars, c'est la troisième ligne que je cherche. Qui fitterait sa troisième ligne idéalement. Pour remplacer Perron. Lui a 22 ans. 80. Attaquant de troisième ligne. Ouais, Victor Edvinsson, mais le problème, c'est que le. Le problème, c'est que je sais pas il est où, vu que toutes les joueurs ont bougé, là, c'est un repêchage fictif. Bon, qui est intéressé à Perron? Kaprizov, il gagne beaucoup trop cher, Bailey aussi. Ouais, je vais le faire après si je trouve pas des jeux. Ayman, trop cher, trop cher. Lui, des angles. 6 meilleures lignes d'attaque. Attaquant polyvalent. Maudit attaquant polyvalent. Robbie Fabry. C'est quoi? France Tireur. Ottawa. Gonzalez trop cher. Fiala. Ligne d'attaque numéro 2. Et France Erreur aussi. Ouais, ouais, je sais, je vais vider mes choix, là. Fais-toi-en pas. C'est juste que là, je cherche juste à commencer là, la saison, la deuxième saison. Je regarde juste son. Peut-être qu'on le remplacera pas Perron non plus. Là, si on trouve rien, là, juste échanger pour échanger, là, on le fera pas. Là. Lui est 82. Attaquant polyvalent encore ça, par exemple. Il fit sur aucune ligne. Tampa Bay. Zucker. Alors ça serait bon. Mais s'il fit, on va le chercher. Alors, style d'attaquant polyvalent. Il fit sur aucune ligne. Attaquant polyvalent. Sauf qu'il y a un bon contrat. Ben meilleur contrat. Ben meilleur. On sauve 20 millions. On sauve 1 million, mais ouais, c'est pas si payé que ça. T'es pas le plus grand fan des plus. Tu penses que ça change pas grand chose? Fabricant de jeu, ligne d'attaque numéro 2. Vesper Bratt.
83, 30 ans. Jan Rock. Jan Rock. Ligue d'attaque numéro 2. Mais personne ne fit sa ligne d'attaque numéro 3. C'est incroyable. Killorn. Ouais, ben t'avais peut-être des méga joueurs par contre, je sais pas ce que t'avais. Bon, qui qu'on avait en lignée? Ça se peut-tu que c'était à Calgary? On avait en lignée un. Ouais, je pense que c'était Connor chez lui à cause du contrat. Il fitait pas. C'est un fabricant de jeu. Ligne d'attaque numéro 1. Mais je pense qu'on va prendre une chance parce que il est quand même 82 d'overall puis il gagne juste 1,5 million. On va s'essayer. Calgary sera au-dessus du plafond salarial. Ok. On va aller te ramasser un gros contrat qui dure juste un an. Puis qui a pas de valeur. Genre lui, le Brobowski, ouais. Sauf que, ouais. Candela, 2 ans. On va s'essayer avec lui aussi. On va rajouter. On va l'avoir d'un patineur recru. Ouais, qu'est-ce qu'on a repêché? Hey, boy, boy. On n'a pas repêché grand-chose. Absolument rien de bon. En tout cas, on va donner un choix au repêchage. Et on va donner notre 2, ça c'est sûr. 2, 4. Qu'est-ce que ça donne comme valeur? C'est encore un peu beau, hein? 2, 3, ok. Plus des jeunes. Ce sont des jeunes. Y en a-tu qui veut? Y en a pas qui veut? T'as qu'un top 9, hein? On va t'en donner tant que t'en veux, tant que ça rentre. Fait que c'est Perron contre Sherry puis Brobowski contre 2-3 puis des jeunes là, qui joueront jamais pour nous autres. La valeur d'échange est correcte. On va voir si eux autres vont trouver que c'est une bonne échange. Puis on leur débarrasse d'un gros contrat dégueulasse là, quand même. Là. C'est refusé. La valeur. Mais les, ça ne correspond pas à leurs besoins. Fait qu'on va enlever un choix de même. On va y rajouter des choix, des meilleurs choix que ça. Tiens. Un autre choix de 2 l'année prochaine. Ouais, à plus tard déjà. Fait qu'on essaye ça comme ça. Encore refusé. Ouais, calvaire, je te donnerai pas un premier choix, là. Bon, accepté. En espérant qu'il y a quelque chose qui fit dans mon équipe, là. Parce que là, on a donné beaucoup, là. Eh, c'est bon. Mike Hoffman est rendu là. Pourquoi là? J'avais un. Non, 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 non. Val Ducarello était sur le deuxième. Non, 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 non. Comme ça. Ok, comme ça. Hey, je suis rendu qu'un moins 2, le calvaire. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Aïe, 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 aïe. Là, c'est Lekkonen qui fait sa place.
C'est pire que tantôt. Caline. Bon. Donc, je mets ça là. Bon, écoutez, ça donnerait ça. Mettons que je changerais Brown pour. Ah, de même, je pense que ce qu'on peut avoir le mieux. Si je fais ça. Ah non, ça sert à rien. Puis je mets le Brown là, ça fait quoi? Non. Ok, fait que là on a c'est pas mal de mieux qu'on peut faire. On va retourner voir la défense, rien n'a bougé. Pourquoi qu'il me bouge tout le temps ça? On part la saison comme ça. On va voir ce qu'on a. Je vais juste aller jeter un coup d'œil voir. On va regarder un petit peu les contrats. Les contrats qu'on. Les gros contrats. Parce que là, on n'a pas grand place dans la match, je trouve. Il y a Phil Kessel qui part l'année prochaine. Zibanejad qui part l'année prochaine. Mais Zibanejad, il est bon, là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait l'année passée? Ben, pas tant que ça, finalement. Ok. Lui, c'est sûr qu'il part. Klingberg, il reste juste un an. Ben, ça va faire mal, ça. On va aller voir si on n'est pas capable de le re-signer tout de suite. Combien qu'il veut? Bon, mettons, je baisse. Il veut plus. Qu'est-ce qu'il demande moins, là? 6. Ben, c'est 6 ans qu'il veut. On va essayer d'y offrir. 8 millions. De toute façon, on a le temps en masse pendant la saison, là, pour... 8.1. Puis, juste parce que je veux juste savoir combien qu'il veut, lui. Mettons, peut-il offrir moins? C'est quoi le moins qu'il veut? Ok. Bon, on commence la saison comme ça. On va simuler un mois à la fois. Comme je vous dis, j'avais simulé l'avant-saison hors caméra, juste pour que mes joueurs autonomes acceptent leur contrat que je leur avais donné. Quand on va simuler jusqu'à Boston. Joueurs au ballottage. Ok, ok. Ça, on s'en crisse. Oh! Klingberg a décidé de re-signer. C'est bon, ça. À 8 millions, il est pas cher. On commence l'année par une victoire. Victoire. Jusqu'à date, on a quand même un bon petit début. Très bon début même. Classement, non, on s'en fout là. Ah, une autre victoire. Défaite. Jusqu'à date, là, ça va très bien là. 8-1, on va essayer de battre le record de Dumpty Dan avec ses Flyers. Je sais pas combien qu'il y avait. Je pense qu'il y avait... Parce qu'il y avait eu une très bonne saison avec ses Flyers, mais là, tabarnouche, on s'enligne pour le battre là.
Bon, fait que là, écoute, on va quand même jeter juste un petit coup d'œil, voir s'il y a vraiment des joueurs qui vont pas bien. Stamkos est en feu. Oh, pas ça, je veux pas en tout. Stamkos est en feu. Gurianov, Zuccarello. On disait qu'il avait pas eu une bonne saison l'année passée, il a l'air à vouloir se reprendre. Qui va pas bien? Il y en a-tu qui vont pas bien? Personne va. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Tout le monde est dans le positif. Ou ben donc, il y a juste. Il y a lui ici, là. C'était le. Ça, c'est notre seul mauvais contrat, je pense. Là. Puis, il va pas mal, mais. En tout cas. Le gros mangeur Doc Dog à plus 15. Ok. On va continuer la simulation. Écoutez. On va simuler encore un mois jusqu'à. Jusqu'au Canadien. C'est pas tout à fait un mois, mais on va simuler jusqu'... Ah non, c'est pas grave. On va simuler jusque là. Défaite. Victoire. Ah, on a deux défaites puis deux défaites en prolongation. C'est incroyable. Tout un début de saison. Je me rappelle même plus qui est notre gardien de but. Je pense que c'était... Qui qu'on avait pris déjà comme gardien de but? On va aller voir après. Ça m'a tout l'air d'être un bon cru. Tant mieux pour vous autres. Nous autres, on ne repêche pas. Bon, mais écoutez, on va retourner voir vite vite, mais gars, on s'entend que ça n'a pas bougé, là, mais c'est juste que, voyons. C'est qui notre goaler déjà? On va aller voir plutôt de cette façon-là. D'après moi, notre gardien de but, il y a toute une saison. Ah oui, c'est Hellebuck. Oui, c'est vrai, on n'a pas checké lui son contrat s'il finit ça. Non, lui, on est bon jusqu'à la fin de notre défi. Jonathan Quick a 3 matchs joués, il a 2 victoires. T'as-tu vu la moyenne de buts contre? C'est incroyable. Un point 61, c'est malade ça. On a le Jonathan Quick des belles années. Puis en plus, on le paye pas cher. Il est là jusqu'à la fin de notre défi. On est content de l'avoir. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On propose pas d'échange. Tout va bien. On va juste aller sur le trade block. Non, je joue pour ce site. Marché des joueurs. Allez, on va mettre. Nous autres, on échange nos choix. On échange. J'ai-tu mis 2027, moi, Calvaire? Les sites, on va mettre comment il s'appelle, c'est notre agitateur. Okay, on va y aller, on va classer par ligne nationale, ça va être plus simple. Pas lui. Lui ici, là, il est pas en uniforme de toute façon. Puis on joue pas de blessure. Si quelqu'un veut nous offrir un petit quelque chose, ça va être tant mieux. On continue la simulation encore un mois. Contre une équipe qu'on connaît, ça serait le fun. Un de nos rivaux. Qui est nos rivaux?
Attendez, je vais aller voir. Les Red Wings. Les Red Wings, hein, ils sont plus forts que nous autres. Les Red Wings ont une meilleure saison que nous autres. On a perdu contre les Canadiens, perdu contre Toronto, perdu contre Boston, perdu contre Tampa Bay. Là, là, quatre défaites de filet, là. Je vous ai trop vanté, les gars, là. Là, ça va pas bien, là. Je pense que c'est 7 défaites en 8 matchs, si je me trompe pas. Les Kings ont sacré d'avoir leur coach. Tant mieux pour eux autres. Bon. C'est pas mal sûr que je ferai pas ça, mais je vais quand même aller voir. Pourquoi qu'il va y avoir un choix de première ronde pour Derek Brassard? Sont-ils un peu fous? Qu'est-ce qui arrive? Attaquant polyvalent, toutes les lignes. Non, il m'intéresse zéro ce gars-là. Là. Particulièrement pas contre un choix de première ronde. Bon, écoutez, là, c'est vraiment pas un bon mois là, pour nous autres. Là. On va aller voir. Qu'est-ce qui arrive? Stamkos a quand même un point par match, ça, il n'y a pas de problème. Zuccarello, Gurianov, Zibanejad, ça va bien. Qui s'y met à mal aller, là? Ouais, Savard, va falloir changer ça. Lekkonen, il fait absolument rien. Lui, il fait rien, mais au moins, il est pas dans le négatif. OK, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour échanger Savard. Premièrement, modifier ligne. Savard, il fit pas vraiment. Savard, c'est un polyvalent. Peu. Fait que ça nous prendrait un offensif. Ouais, ça nous prendrait un offensif. Proposer échange. À défense. Savard. Il a combien d'années, lui? Il reste 2 ans. OK. Faut pas que ça gagne trop cher non plus. Okay. Ça, y a rien d'intéressant. Fabro. Pourquoi il a une valeur de malade mental de même? Il joue moins 2. Mosin, polyvalent, il fit, paire défensif numéro 2. Et combien de temps qu'il reste à son contrat? 3 ans. Mosin m'intéresserait, mais faudrait qu'il garde du salaire. Puis ça, garder du salaire, là, c'est dur de faire ça. Surtout quand ils ne veulent pas s'en débarrasser. Boston. Chicharin. Qu'est-ce qui arrive avec lui, là? Il est moins 5. Paire défense numéro 3. Un polyvalent. Non. Sauter, beaucoup trop cher. Adam Fox, rien contre ça, mais le problème, c'est qu'il va nous coûter tous nos choix. On n'aura plus de munitions après. Puis, on va juste aller voir pour le fun combien de temps. Il reste juste 1 an à son contrat. Faut le signer. C'est pas génial. Lui, il a 2 millions. Justin, oh.
Il était plus 8. Un défenseur plus. Il était un peu moins intéressant. Combien de temps qu'il reste à son contrat? Il reste 2 ans. Ok. On va à Calgary, ils ont un gars qui pourrait nous intéresser. Caroline. Lui, il gagne pas trop cher, Evan Bouchard. Ok. Evan Bouchard, très intéressant. Il reste, pour le restant de notre défi, il serait à bas contrat. C'est un défenseur offensif. On a notre homme. Ils veulent pas l'échanger. Mais on va bien trouver le moyen. Là, c'est le temps de sortir un choix de première ronde ou un 2, 3. Ça a de l'allure, ça. Je trouve que la valeur est bonne. Je pense pas que ça passe, mais on l'essaye. Ah ben, tabarnouche. Direct. On va aller voir si ça fit dans notre équipe, si on a un plus. Même si Daju il dit ça marche pas les plus. Ben moi j'aime ça quand même. Bon, je vais encore changer ça. Fait qu'il fit dans notre équipe. C'est parfait. Pourquoi qu'il c'est ton offensif avec offensif? Il est là le problème. Attends, je fais ça. Marche pas. On a trop de def offensif dans un sens, je sais qu'il arrive. C'est pas grave, d'autres qu'on veut, c'est des points. On va voir si notre trade a porté ses fruits. Fait qu'on va simuler, okay, jusqu'à la date limite des échanges. Et là, on va aller chercher probablement un gros morceau à date limite. Mais ça serait le fun d'avoir plutôt un Giordano. Il reste un an de contrat. Ça, ça pourrait être très intéressant. 87. Il fit sur aucune ligne, par contre. Donc, j'enlève ça, puis ça. Et bien, on va attendre. On va attendre de voir qu'est-ce qui est disponible à date limite. Parce que là, donc, comment ça va, là? Là, pour l'instant, on a 2 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée. Hey, le Brassard, j'en veux pas. Hey, ils sont-tu fatigants? Contre un choix de première, Brassard. Ils sont-tu malades? Ok. Fermer et ne plus afficher. Moi, les coachs, là, je n'ai rien à foutre. Bon. Okay. Ils veulent vraiment se débarrasser de Giordano. Il m'intéresserait, Giordano, pareil. Modifier échange. On va enlever le choix de 4. On va voir s'ils veulent un de nos défenseurs. Parce que là, on va avoir un défenseur de trop si on fait ça. Là. Qui qu'on pourrait leur passer? Parce que là, un gars, mettons, qui n'a pas un très bon contrat. Puis. On a tous des bons contrats. Et lui, ici, son contrat finit cette année. Tiens, on va leur rajouter ça. Ben, moi, son choix de 3, là. Je vais être sûr que ça passe. Au lieu de ça. Tiens, on va se pogner un choix de 4. Hein. Un choix de première ronde, notre défenseur qui va prendre sa place,
On essaie ça. D'après moi, ça va passer. Il peut même enlever. D'après moi, le choix de 3, c'était pas si pire. On va essayer ça. On essaie ça de même. Accepté. Voilà, Giordano dans l'équipe. On va juste arrêter la simulation. On va aller voir où est-ce qu'ils l'ont mis, le coach. Là. Ok, là il a tout fucké ça encore. Tab, faut tout faire. Comme ça. Comme ça. De même, ça fait mieux. Fait que là, on a toute une défense, les amis. Yandel, Klenberg, Patrick, Killington, Giordano et Evan Bouchard. Là, écoutez, là, Giordano, c'est la troisième paire. On est ouais. Solide. Je pense que c'est ça qui est le mieux. Au pire, ils mettront ça comme qu'ils voudront. Moi, je mets ça le même. On continue jusqu'à la date limite. On n'a pas fini notre magasinage. On va peut-être aller chercher un attaquant. On va voir ce qui est disponible. Première game de Giordano. On perd ça. C'est pas très grave. Sauf que là, on le micro s'est débranché. Là, on a baissé dans le classement. Là, on vient de remonter. Non, on vient de remonter. Pas vu. Mais ça prend des victoires. Ça prend des victoires. Une défaite, une victoire. Bon, on va aller voir ça. Yafalo. T'es qui? Pourquoi je te prendrais? 10 buts, 13 passes, plus 2 cette année. Non. Ouais, je vais aller manger après mon vidéo, Marjo. On continue la simulation. Qu'on est acheteur, comme de raison. Accéder à date butoir. Qu'est-ce qu'il y a de disponible? Qu'est-ce qu'on peut se payer? Ok, il y a du défenseur, mais on n'a pas besoin de défenseur. Ça, c'est sûr. Ce qu'on veut, nous autres, c'est de l'attaque. Philippe Forsberg, Spurgeon, Kadri, Ertel. Ertel, il reste un an. Ça serait intéressant, Ertel. Ok, on va essayer. Qu'est-ce que les autres veulent? Premièrement, c'est un centre, Ertel. On va essayer de leur shipper un de nos centres. Qui tu voudrais? Il reste un an. Ça prend de la place, ça amasse. Qui? Ok, on va aller voir qui a une meilleure saison. 12-5 plus 1. Ok. Clairement, Eric Stahl qui part. Puis c'est là qu'on va aller donner notre choix de première ronde l'année prochaine. Il n'y a pas de problème. D'après moi, ça va passer comme dans du beurre. Échange accepté et voilà. Fait qu'à 6h29 du matin, notre date limite est déjà finie. On va quand même jeter un coup d'œil là s'il n'y aurait pas quelque chose de vraiment pas cher. Beaucoup de défenseurs. Bon. Ok, on va quitter ça, la date butoir, puisque là, écoute, on a vraiment ce qu'on a besoin.
Il y a tout le temps un joueur au ballottage après une date limite des échanges. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a un. Il y a tout le temps une équipe qui n'a pas réussi à régler ses affaires comme du monde. Voilà, il y a tout le temps. On va le refuser direct, on n'a pas besoin. On va aller voir où c'est qu'ils ont mis Airtel. On peut-tu le changer de place? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Ils nous ont mis Airtel sur la deuxième ligne. Je suis pas contre. Avec Zibanejad. Puis... Hey, pourquoi qu'ils vont remettre tout le temps à lui? Hey, ils sont fatigués, sérieux. Carello est... Non, 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 non. Je comprends pas, là. Brown? Mais qu'est-ce qu'ils me font, là? Quoique, les canons n'ont rien fait. Les canons n'ont rien, rien fait. Y a-tu du face-off, 65, qui a du face-off, n'as-tu lui? 65, Cation doit pas en avoir. Ok. Attends que je mets. Ça marche pas. Comme ça. Comme ça. On y va avec ça. On a un moins un, mais gars, écoute, c'est mieux que rien. Là, là, vraiment, là. On va y aller de même. On finit la saison. On fait la coupe. Les séries. On va finir la vidéo après les séries. Je ferai les contrats et les agents libres dans un prochain vidéo. On finit la saison. On devrait faire les séries. Si tout va bien. Défaite. Défaite. Disons on devrait, mais là, faut pas qu'on perde trop, là. Victoire. Tabarnouche. Victoire, victoire. Allez, gagnez, gagnez. Bon. En haut de ça. Ceux qui sont capables de me dire en commentaire là, à la fin de la saison là, si qui a eu la meilleure saison là, entre Dom Tidan puis nous autres. Quoique c'est un peu injuste. Lui c'est sa première saison, nous autres c'est notre deuxième. Il faudrait comparer que sa deuxième, mais qu'il fasse sa deuxième saison. Ben, si on peut atteindre les 50 victoires, là, ça serait parfait. Ah non, c'est impossible. Mathématiquement impossible. Bon, fait qu'on fait les séries. Contre qui qu'on joue, on va le voir. On va avancer d'une coupe de match, d'une coupe de jours. La campagne Toronto. Tiens, on va y aller. 1, 2, 3, 4. On va simuler jusque-là. Victoire. Défaite, j'ai pas vu. Défaite 1-1. Bon. Fait que là, on perd par une victoire. Et on va aller directement jusqu'au match 7. 2-2. 3-2. 3-3, le match numéro 7. On va le simuler période par période. Fait que première période, 0-0. Notre goaler tient bon, Hellebuyck. Buffalo, Hurtle, notre acquisition, que ça va nous compter un but. Et troisième période, 2-1, et on sort les Maple Leafs de Toronto. Encore Hurtle. Fait qu'on passe
en deuxième ronde pour la première fois de notre défi. On va avancer jusque-là, disons, même si on simule un match ou deux, c'est pas grave. Contre Détroit, je pense que Détroit a fini premier de notre division. J'ai pas vu. Défaite, défaite. Alors qu'on part avec deux défaites, ça va bien. On simule jusque-là. Défaite encore. Ok. Je pense que ça vient de s'éteindre pour nous autres. On va aller jusque-là. Victoire. Défaite. Alors on s'est fait sortir en 5 contre Détroit. On va quand même simuler pour savoir qui gagne la coupe. Donc, c'est Minnesota qui gagne la coupe. Je pense qu'ils jouaient contre Détroit. Fait que, tu sais, on s'est quand même fait battre. La première année, on s'est fait battre contre les champions de la coupe. Deuxième année, on s'est fait battre contre les finalistes. Fait que, je vais finir le on va regarder. On n'a pas donné de bon choix. Ça, c'est normal. On n'affiche pas la catégorie de repêchage. On va finir la vidéo comme ça. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des idées de transactions ou des idées de quoi que ce soit, marquez-les dans les commentaires. Je lis tous mes commentaires. Puis si mon directeur général adjoint Dom Tidane a des idées qui ne se gênent pas, parce que là, on a fait juste une round. Première année, on s'est fait sortir première round. Deuxième année, troisième année, ça prend la coupe, sinon notre défi y est échoué. Ben, je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez et partagez. Merci. Au revoir.